qu'il fait encore au lit, lui, là-haut. Ouais, Christophe, ouais. Oh, même en confinement, les gars, on lâche rien, hein. Oh, réveil. Oh, putain. Bonjour à tous, désolé de vous faire commencer par ce petit geste matinal, mais voilà, c'est la première chose que je fais le matin en me levant comme beaucoup de personnes je pense, donc vous me l'accorderez. Donc désolé, j'ai un petit peu la tête dans le guidon, hein, vous avez vu, je viens de me lever. Donc bon, je vous vois déjà venir avec vos questions sur le réveil, donc j'anticipe. Oui, non, je suis pas un mytho, oui, je dors en gainage, c'est héréditaire, voilà, mon grand-père dormait en gainage, mon père dort en gainage, et j'ai hérité de ce trait de caractère. Concernant le réveil de Christophe Furios, la voix, c'est pas moi qui me l'impose, hein, c'est Christophe qui l'a imposé à tous ses joueurs, qui l'a rendu obligatoire pendant cette période de confinement, donc voilà, on s'y habitue à se réveiller avec sa douce voix. Et ensuite, voilà, je me suis levé en faisant mon petit réveil musculaire habituel et quotidien. Donc, rien de fou. Bon, voilà, on va passer la journée ensemble dans ce petit week-end même de confinement. Je vais vous faire partager un peu voilà, mes passe-temps, mes loisirs, mes activités. Donc, vous avez vu mes prédécesseurs. Pendant la semaine, on s'entraîne, on continue à s'entretenir, on fait un petit peu de course, de muscu, de gainage. Voilà, moi, ça sera tout autre, puisque le week-end, on s'accorde une petite pause de, un peu de répit, on va dire. Voilà tout, donc je vous dis à tout à l'heure. Désolé, je peux pas arrêter la vidéo, c'est un petit peu long, mais on s'hydrate quand même beaucoup le soir. C'est vrai que le matin, c'est toujours assez compliqué du coup d'arrêter les vannes. Hein, donc, encore une fois, désolé. Et moi, c'est rarement aussi long, un petit peu gêné. Hein. On devrait voir le bout, enfin le bout du chemin. Ah. On continue cette matinée ensemble, donc après le réveil, voilà, c'est petit déjeuner. Donc moi c'est très simple, c'est mon petit café quotidien que je couple avec un petit déjeuner, je me mets du fromage blanc. Fromage blanc, voilà, j'y mets quelques graines de courge, du son d'avoine, des noix de pécan et j'y mets un zeste de miel. Voilà, je mélange tout ça. Honnêtement, ça fait un petit déjeuner très sain qui est succulent. Je conseille à tout le monde et ça met un peps pour la journée, c'est génial. Bon, voilà, je vous dis à tout à l'heure pour de prochaines aventures. À toutes! Je pense qu'ils ont gommé. Oui, je pense que c'est assez crédible. Ouais. Ouais. Ça s'appelle je me se merde. C'est dégueulasse. Il y a un jeu pour tout le monde. Ah, oui. Aïe. Tiens, ma chérie, tu peux me passer le verrier, s'il te plaît? C'est là. Ah, juste un petit peu, non? Allez. Merci. Nance, mm-hmm. Pourquoi il y a ton téléphone qui clignote? Nance? Oui. Mais qu'est-ce que tu fous? J'arrive. Mais dépêche-toi. Oui. Et n'oublie pas de tirer la chasse, hein, de ce matin-là. Oui. Ah, mais quand même. Ouf.
N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il faut comme ça, là? Je vais faire les courses, pourquoi? Comme ça. Attends, t'es en train de me filmer, là? Mais non, je suis au téléphone dans la stouille. Ah. Ben oui, comme ça, Julie, ça fait un mois que je suis pas sortie, donc excuse-moi de vouloir être présentable à chaque fois que je vais faire les courses. Bon, ok, si tu veux. T'as besoin de quelque chose? Ouais, prends-moi de l'agneau, là, s'il te plaît. De l'agneau? Oui, de l'agneau. Et qui fait ferrer de l'agneau? J'en ai besoin, je pense, pour supporter tes conneries, là. Ouais, je te trouve un petit peu dur, mais. Bon, j'y vais. Allez, à tout à l'heure. Ces courses, ça m'a lessivé. Du coup, on a décidé avec Julie, ma compagne, on avait un peu la flemme de cuisiner, on a décidé de commander des pizzas. Donc, je pense que le livreur devrait pas tarder à arriver. Donc, on l'a... Ah, mais tiens, c'est ma sonnette, ça. Flûte traversière. Hein. C'est toujours du bien aux oreilles. Impeccable. Timing parfait. On va aller voir ça. Et bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. C'est les trois pizzas, ouais, que vous parfait. Avez commandées. Impeccable. C'est la Ménadier. Oui. La Géraldine et la Pellissière. Ouais, impeccable. La cheveux soufflée, il fait chaud aujourd'hui. Ouais, il fait chaud, ouais. Par parfait. Contre, il faudra faire regarde sur la Pellissière, parce qu'elle ne rentrait pas dans le cartable. Ouais. Du coup, j'ai dû la foutre à l'arrière du vélo. J'ai pris un virage un peu à 90. Là. Ah, d'accord, ok. Peut-être 2-3 heures, le camion se fout. Ouais, bon, pas de soucis. Je vais faire attention en ouvrant. C'est okay. Du coup, oui. Oui, c'est ça. C'est bizarre, j'ai l'impression de vous connaître. Hein. Je suis un ami de Bernard, moi. Ah, ouais, d'accord, de Bernard. Cancel, ouais. Ah, oui, ok, il s'appelle Canciel, d'accord. Alors, je vois la Blue Beagles tous les samedis. Ouais. Matin et ouais. Midi, après on fait un peu l'apéritif, après on vient au match. D'accord. On vient vous voir, on est fan. Eh, d'accord, ok. C'est vrai qu'il me ressemble, ouais, ce fameux Bernard. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, et c'est d'ailleurs, drôle. Ça serait bien si vous pouvez un jour peut-être passer à la Beagles. Hein. Ben ouais, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Une petite partie. Ouais, ouais. Je sais pas, il y a du bien, il paraît qu'il est bon, un pétanque. Non, il est nul à chier, mais on passera un bon moment, c'est pas grave, pas de soucis, ouais. Ouais. Pas être bon partout. Non, ça c'est clair. Ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas. Ouais, bon courage. Ouais, merci. Et bonjour à la dame. Ouais, parfait. Allez, au revoir, monsieur, bon courage. Oh, merci. Ça, ciao, ciao, ouais, merci. Après ces bonnes petites pizzas de midi, rien de mieux que de digérer en douceur. Donc je vais vous jouer un petit morceau de guitare. Je vous demande d'être indulgent parce que j'ai commencé en début de confinement. Là, je savais pas trop quoi faire, donc je me suis mis à la guitare. Je vais vous jouer un petit morceau, je pense que tout le monde connaît et tout le monde reconnaîtra. Allez, c'est parti. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien de sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, tout reconstruire. Putain, ma mère. Oui, maman. Ah oui, un peu, tu me déranges, mais pourquoi? Maman, tu m'as appelé il y a 2 heures pour me le dire, ça. Oui, je me lave les mains. Oui, j'ai terminé mon coude. Non, je vois pas JB Dubier, même s'il a 300 mètres, je le vois pas, non. Oui, bon, je te laisse parce que j'ai un peu de pain sur la planche, là. Ouais, j'ai la story de l'UBB, là. Oui, je fais que des conneries, oui, bon, tu me l'as assez répété. Ok, vous allez faire quoi, vous voyez, papa? Un chat perché? Mais à deux? Ok, bon, mais bonne partie alors. Allez, ouais, je t'embrasse, je te rappelle ce soir. Ciao, maman, gros bisous. Je profite de cette belle fin d'après-midi ensoleillée pour m'adonner à une autre passion que j'ai en dehors du rugby. C'est tout simplement le triathlon. Donc, je vais faire avec les moyens du bord. On va essayer de faire une bonne perf. C'est quelque chose que, voilà, un petit défi que je me suis mis personnellement, que je fais tous les week-ends. Donc, j'espère battre mon chrono. Allez, on y va. Non, c'était prêt? Ouais. Allez, plongeur à vos plots. Ouais.
après. Alors, combien ? 34-12. Hein. 34-12 ? Ouais, 12 secondes de plus que la semaine dernière. 12 secondes, c'est énorme ! Ouais, c'est pas terrible, ouais. Putain, fais chier ! Qu'est-ce qui m'arrive, là ? Tout ça. Ça va, Lance? Ouais, compliqué là. Oh, mais tu prends trop à cœur ta littérature. Tu penses? Mais bien sûr. Bon, t'as lu combien de pages là pour ce soir? 4-5 tout au plus. Bon, c'est amplement suffisant. Tu crois? Mais oui, large. Bon, ok. Bon, allez, je te laisse un quart d'heure là pour te changer les idées et après on éteint les lumières. Ça te va? Ok. Allez, super. Salut les copains, c'est Charles-Henri. Bon, je sais pas si vous avez vu ce soir, mais pour moi, ça a été compliqué de finir François Sagan. Bonjour tristesse, parce que attention les émotions que ce livre fait passer, quoi. Oh là là! Je conseille une attention hippique. Deuxième point, je voulais aborder avec vous. Je sais pas si vous avez vu, mais le ministre de l'Éducation, Monsieur Blanquer, ça y est, nous a sucré le bac. Alors moi qui suis en terminale, bon moi je vais vous dire je m'en fous parce que j'ai 18 et demi en général, donc moi ça me change rien si je le passe ou pas. Mais j'espère juste avoir les félicitations du jury pour avoir un dossier béton. Eh oui, Monsieur Bibi à la Sorbonne. Eh oui, l'année prochaine. Donc ouais, j'ai pas envie d'arriver, tu vois, avec un dossier qui est un peu patatrac. J'ai envie d'arriver que ce soit moi le boss, quoi. Oui, c'est moi, c'est Charles-Henri. Boum, je m'impose. Bon, allez, je vous fais un gros bisou. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous dis à demain. Ciao, les amis.